La Casbah de Média se situe sur la rive gauche de l'Oued Sebou, à 8 km à l'ouest de Kénitra. Non loin de l'embouchure de l'Oued Sebou, la Casbah est fondée sur une colline culminante de 70 mètres d'altitude, dominant l'océan Atlantique et la plaine côtière. L'origine de la Casbah de Média reste encore obscure, mais sa position stratégique a fait de cette forteresse un monument phare qui a vu la succession de plusieurs occupations à travers l'histoire. Certains historiens y ont vu l'emplacement de Timiaterion, un comptoir carthaginois du 5e siècle avant. Notre ère. Pendant l'occupation romaine, la ville fut connue sous le nom de Zubur. En 1154, le géographe marocain Al-Idrissi évoque l'existence d'une ville située à l'embouchure de l'Oued Sebou connue sous le nom d'Al-Ma'mora. L'historien Azéani pense que la ville de Média était bâtie par les Bni Ifren, tribu amazigh qui ont régné sur une grande. Partie du royaume au Xe siècle. Au XIIe siècle, sous le règne des Almohades, le nom d'Al-Ma'mora réapparut. Dans son livre Description de l'Afrique, Jean-Léon l'Africain parle d'une petite ville dite Ma'mora Al-Ma'mora, construite par les Almohades à l'embouchure de Sebou. Le sultan Almohade Abdelmoumen y fit installer un arsenal pour la construction de bateaux au XIIe siècle. La ville devint ainsi un centre commercial où prospère suite aux échanges entre les commerçants européens et marocains. La ville fut détruite lors de la guerre opposant Assaïd roi Mérinide Abou Saïd Othman. En 1515, la ville fut envahie par les Portugais, qui ont construit une citadelle dite San João da Ma'mora. En 1614, Almadia fut prise par les Espagnols, qui lui ont donné le nom de San Miguel de Ultramar. L'occupation espagnole a duré 67 ans. En 1681, la ville fut libérée et le sultan Alaouit Moulay Ismail lui donna le nom d'Almadia. Elle fut appelée ainsi probablement pour les grands trésors abandonnés par les Espagnols, ou encore parce que la ville fut reconquise sans grand effort.